Ah, c'est assez bizarre. C'est bizarre. Est-ce que le combat de Power Ranger a commencé? Non, on attend toujours. C'est bien ça. Donc, ils se battent contre Shua. Donc, la team de Silhouette qui comporte Mastarak, Light Echo, Tsukushu et Laliari. Voilà. Et la team de Roshu qui comporte Echo, Wither, The Wanted, Barbaric, Psychopathe. L'ordre Ekaflip, Zelor, Kra et Zobal. Purée, j'avais oublié, on m'attend sur votre compte. Voilà. Donc on va atteindre le match Silhouette contre Rochou. Domaine qui lance son défi contre Joel. Domaine et Joel qui ont lancé leur défi. Mais c'est pas le match qui nous intéresse. Excusez-moi. Un coup de froid. Alors, Silhouette A contre Chou, ils ont lancé le défi. Moi, je joue que la fin du jeu pendant ce temps-là. Ah oui, il faut que je coupe le son de Chou, c'est bon. Voilà. Silhouette qui est nulle part. Ah, voilà. On rejoint le team de Power Ranger qu'ils n'ont pas mis de Pew. Dommage. À part Light Echo qui reste fidèle à sa force. Nous avons
Des dragons. Malheureusement, c'est dommage. J'aurais aimé voir la team des Power Rangers en Pew, comme le nom l'indique. Mais au lieu de ça, on va avoir des dragons. Peut-être vont-ils le changer à la fin, hein, qui sait. Donc, je dois appeler Mid. Il a l'air occupé. Master Rocky dit bonjour. Là, comme je n'ai pas rejoint direct. Ils ont laissé les titulaires jouer. The Wanted. J'avais pas dit lui. The Wanted qui est un titulaire. En fait. Non, bah, c'est tous les titulaires hein, qui jouent. Ça y est, silhouette contre chaud. C'est parti. Bon, bah, on n'a qu'une pioute. Hein. Dommage. Je pensais qu'elle allait changer, mais non. Ben, il lance pas le combat, hein. On attend. J'appelle Mid, qui veut venir au stream. Salut Mid. Donc là, t'es sur le stream. Alors, attends, je vais couper le... Tac, c'est bon. Alors, attends, faut que je trouve. Voilà. Ça y est, le match commence.
Donc, Silhouette, bah, ils n'ont pas joué avec les piutes. Ils n'ont pas changé à la fin. Donc, on a l'ami Harry qui a 17, 7, 7, 10, 10. 182 de tacle, très bon tacle. Et 35 de résistance critique. Laïteko, fidèle à son piou. Il y a 10, 18, 17, 24, 25 et Voilà. moins 1 en résistance critique. Ensuite, Sukushu, qui a 15% nœud, 15, 5% terre, 22% feu, 29% eau et 12% air. Là, ils se sont placés pour les boucliers. Mastarao qui en 18, 27, 18, 24, 27. Et de l'autre côté, on a Echo avec 14, 21, 11, 18 et 0% R. Pas top le réservoir. Barbaric Psych qui a 19, 25, 15, 17, 27. The Wanted qui a 19, 25, 22, 17, 27 et 75 de recrute. Et pour finir, Wizizor qui a 12, 21, 12, 18 et 27. Bon, ça y est, le match est lancé. Ils ont fait les armures. Silhouette. Et il en scaphandre. Alors que c'est bien de lancer scaphandre hein, contre une team Xelor. Permet d'avoir quelques PL. Signe. Ça va, y a pas trop de décalage, mine. Attends, je suis en train de. Apparemment, faut créer un compte, je sais pas. Non, c'est pas forcé de vous créer un compte. Alors attends. Parce que là, je vois ton stream. Alors, niveau chat. Ah, le chat il met un peu plus longtemps à charger. De toute façon, tu le vois directement sur mon stream, le chat. Ouais, parce que quand je clique, il me faut un pseudo et un mot de passe. Bah oui, c'est pour ça. Ou peut-être que je m'inscrive, je sais pas. Pour parler sur le chat, oui. D'accord. Donc on a le match direct, ok. Ouais, il y a un léger décalage au début. Attends, je vais. Tac. Master Rogue qui booste la Liari, qui résistance naturelle, l'attaque Tyrell, et un coup de crapaud sur la LTP. D'accord, ok. Alors attends. Tac. Voilà, c'est bon. Voilà, les retraits PA qui donnent des PM, ouais. Ça, c'était prévisible. Alors la foule, voilà, c'est bon. Donc là, je suis en train de voir le match que tu. Ok. Ah, vu que t'as pas d'accès au Sarah Tournant. Donc ce soir, il y a moi, hein, lui, comme d'hab. Ouais. Et là, on a Mid qui va se présenter. Eh ben, je me présente Midnight du serveur E4, de la guilde Hard Gamer. Avec Bill Invocateur. Voilà, c'est un guilde. Donc je vais commenter le match. Le match. C'est le Watt contre C'est Chou. qui? Ok. Bon. Il Je viens d'arriver, donc je sais pas trop. est un peu perdu. Donc je sais qu'il y a un Ekka, un Kra, un Xel, un Zobal contre un Sram, un Steamer, un Faker et un Oza. C'est ça? Ouais. Ok. Donc. Alors, dernier match, ils étaient tous en pute, c'était trop beau, et là, ils ont mis des dents. C'est moche.
Juste avec Echo qui était fidèle à son culte. Deux langues râpeuses sur Echo. Ah, j'aimerais bien voir comment il joue le Xel. Voilà. Bah là, le Xelor n'a pas fait grand-chose, hein. Il a avancé, poussière temporelle, et il s'est rebarré. Ouais. Il a aussi fait des mouvements à ses amis. Donc, Aveuglement sur Choukouchou pour booster en PM. Ensuite, met un renvoi de sort, mise en garde, attaque terrain. ouais. Pour l'instant, je suis pas trop en retard. Et Tac. Choukouchou. Mise en garde sur. Ouais. Apparemment, il prévoit une technique avec l'attaque Tyrell pour coop l'un des persos aléatoirement. Au prochain tour, hein, sûrement. Parce que c'est deux tours de CD, je pense, évolution. Sais pas si tu connais Steamer, Timer, vraiment pas. Hein. mais... Ouais. Donc, j'aurai ça bientôt. Hein. Le 20. Non, le 20. Super. Retour du steamer qui gagne 3 PO avec longue vue. Il donne 3 PO avec longue vue. 5 PA, 7 PM. 3 PM. Une gardienne. Alors, j'ai pas compris pourquoi il a placé une gardienne en plein milieu des ennemis. Peut-être pour retirer les PM, je sais pas. Bah, une gardienne, c'est une tourelle qui soigne. Là, elle va de kicker. Attends. Moins 2 PM, je sais pas si Moins c'est. 2 PM, c'est parce qu'il y a la piège. D'accord. Là, ce team, je comprends strictement rien, alors. La gardienne, c'est la tourelle soigneuse. L'attaque Tyrell, c'est tourelle qui pousse, qui attire, qui coop. Enfin, elle est stade 3. Et la harponneuse, c'est celle qui tape. D'accord. Que va faire Master Rock? Invoquer un bouffe-tout. Pourquoi il y a un bouffe-tout dans le coin? Ils ont sûrement une stratégie pour faire ça. J'espère pour eux, hein. L'attaque Tyrell qui gagne 4 PA. Master Rock qui va se faire repousser par l'attaque Tyrell, justement. Ou bien, il va quoi pas avant. À voir. Autour de Wizizor. C'est celui que tu vas observer, Allez, justement. le torque du Xel, on va voir ce qu'il va faire. Là, pour le moment, il fait rien. Bon, oui, il l'a bugué. Et il rembobinage l'attaque Tyrell. Alors, le rembobinage attaque Tyrell, j'ai pas trop compris. Alors, Ouais. Je sais, par contre, je sais pas comment ça marche. Si l'attaque Tyrell elle coop, puis qu'elle se fait rembobinage, elle va tirer sur la case du gars. ben, attends, il a Alors, on comment va dire? voir comment ça va se passer. S'il la rembo, je sais pas comment ça se passe. Ou alors il a voulu se rembo lui et il a fait. On Ce verra qui est bien. encore possible. C'est mal le suicide. Wiziseur. C'est mal le suicide. D'accord. Autour d'écho. Avec 3 PM, pas faire grand chose. Je manque à bon. Trois, cinq, ouais, hop, PM, PM, À ce PM. moment-là, il aurait dû tenter de se odorat, puisque ça revient au même. Il odora après, en fait. Et là, avec le chaton, une langue râpeuse, et il passe. Le T'es chaton vraiment soigne. à l'avance sur moi, putain. Ah, il y a un petit décalage, pour ça que c'est Ah. beaucoup mieux de commenter quand tu es sur le Ah. serveur. Il y a vraiment des décalages là, putain. Libération. Il focus le Xelor, hein, ben, tant.
C'est un peu normal. Ah Vu le putain, fait qu'il a fait, il reste combien de PA? je pense qu'il voulait faire un rembobinage sur lui, mais il a joué trop vite. Bon, ben, il joue pas. En même temps, il reste sur la tac. Bolish. Ouais. Zamiria qui nous rejoint. Voilà. J'ai même pas eu le temps de dire une bêtise en Salut. chat, mais rajouter. On dit L'évolution 3 bonjour. sur attaque Tyrell, hein, comme prévu. Ouais, Xami, t'as pas dit bonjour à tout le monde. Oh, j'avoue, hein, t'as pas dit bonjour à Mine. Bonjour Mid, comment vas-tu? Bien et toi? Bien, merci. Je peux dire mes conneries maintenant. Ben Ça va. ouais, il a pas coop. Bon, retournons à notre combat. Malvadar qui s'occupe du match de Darkblade contre Donator. Le bouffe-tout sur le Xelor. Un sanglier pour taper un peu. Voilà. Xelor ne peut plus roll back, Ouais. rien du tout. Sauf si tu le bouffe-tout. Mais il ne va pas y arriver. Bouffetou était très bien pensé, mais je pense qu'il était pensé pour une autre technique. Putain, mais sérieusement, des Xels comme ça, mais putain, mais. Mais moi, je me dis que je suis un PGM à côté de ça. Ah, mais après, t'as pas tout vu, hein. Il y a eu des matchs, hier c'était scandaleux. Avec des Xels? Non, il n'y avait pas de Xel, mais c'était Qu'est-ce toute qu'il y a? la team qui jouait mal. Putain, le mec, il lance flou, quoi. Mais arrête-y. Bah, il sait pas quoi faire, hein. Le pauvre, il a 365 points de vie, il s'est dit putain, pourquoi je t'ai Ah fait? oui, ouais, bah voilà, mais tu peux plus rien faire, quoi. Quand t'as TP, t'es entouré, c'est mort. Au pire, tu roll back, tu fais un truc, je sais pas. Il pouvait pas rollback. Ah, mais il était en état pesanteur. Ouais, à cause du bouffe-tout. Ah bah alors là, c'est encore pire que mort, là. Tu passes ton tour. Tu tapes pour le principe. Mais vraiment pour le principe. Je pense que Xami, tu devrais faire un défi contre Xelor. Tu devrais Tu gagner. Parce que là, je le veux? pense J'ai peine que. d'anticiper quoi. Je suis pas si mauvaise que ça, faut pas croire. Parce que là, je pense que la team. Et voilà, Vizizor qui tombe au quatrième tour. Alors, oh. Sans surprise, hein, moi j'ai envie de dire. Hein. Ah, il était tour le tour d'avant, il était mort le tour d'avant, parce que il a fail. S'il n'avait pas fail, c'est bon. Voilà. Mon fils m'en profite pour se le demander. Ouais. Au pire, Sangzel, ouais, c'est. Mascarade. Voilà. Focus Laliari. Boum. Laliari qui est quand même mon mauvais sponsor. Hein. Si l'autre ne cherche pas, il rush. Alors, attends, tac. Ils n'ont même pas mis les pions, je suis déçue. Non, moi aussi je suis déçu. Je suis vraiment triste là. Je vais boycotter leur prochain match. Oh putain, mais je suis un putain de con. En fait, là, depuis tout à l'heure, je passe ma souris sur les persos, mais elle me dit je suis en streaming. Ouais,
Pas grave, mais donc pardon pour ce soir. Là, je me dis, putain, j'arrive pas à voir leur bœuf, merde. Oh, ça c'est bien joué. Pour sauver la strum, c'est vraiment très bien joué de silhouette. Ils auraient dû garder leur team pute. Putain, si j'aurais pu quoi, ceci, j'aurais pu voir les connards. Malheureusement, il est chez sa copine à Lyon, mais il se connecte quand même. Il rend fou. Oh non! Oh là 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 là! Perte du côté de Silhouette, hein. L'Aliari est tombé avec une flèche d'Expia. J'aurais été sûr qu'il allait je pourrais choper. Seulement. Bon. Bah, des deux côtés, on a 3 contre 3. Le match va encore assez vite, c'est bien ça. Hier, on avait dit 3 contre 3, mais le match était... il a duré 1 heure et demie. Voilà, 3 contre 2, là. Hop, moins Mais... 20. Ah, en fait, il a tué le double. Ah, ok, il est puissance 3. Je pensais... En fait, depuis tout à Non, l'heure, il il n'a pas faut tué le double. que... Ici. Non, il vient de se faire résu, le SRAM. Ah! Incapable. Là, je suis pas, parce que voilà, je crafter des trophées en même temps, hein. C'est pas évident. On nous signale qu'il y a eu des désaccords par rapport aux Pew Rangers qui se sont engueulés. Et c'est l'Ossa qui a été chiant, donc l'Ossa n'étant pas beau en plus, c'est nul. L'Ossa, t'es nul, dégage. Bon, je vois pas avec la barre de chat, il reste combien là? Il reste 3 contre 3, non? Non, 3 contre 2. Enfin, 4, vu qu'il a ressuscité. Avec la barre de gauche, là, je vois pas tout ce qui reste. Tu peux pas la mettre en Ah, haut? mais la Zobel est tombée aussi, en fait. Bah, je peux pas, je suis en stream là. C'est vraiment un À match toi. très rapide. Je peux pas. Je parlais pas à toi. Voilà, comme ça on voit. Master Rock qui va C'est taper. bon. Donc. Ils sont à 4 contre 1 là. Ouais, 4 contre 1. Vu que la Zobel est déjà tombée. Ils auraient gagné plus vite s'ils avaient mis les Oui. pions. Bon, bah s'il reste 4 contre 1, Ah bah ouais. j'ai tendance à aller chier un coup, là. Charmant. Bon, je reviens. Vite fait. Je propose de le bannir du chat. Oui, il est pas très... Enfin, il a moins de tact. Il n'a pas trop de tact, alors ça... Ça me dérange, Je me sais dis donc. pas ce qu'il a. T'as vu qu'on avait défense bon temps à 22 h? Ah bon? Ouais. Ah, je savais pas. Et voilà. Moi non plus, c'est Sokocho qui met pas un coup de bien. Goulthard. Genre, elle a Goulthard en épée, c'est le truc niveau 60. T'en fous, ça a servi à le tuer, c'est pour le skin. C'est trop. Ouais, c'est stylé. C'est classe. Bon, ils ont pas mis les pions, mais ils ont mis une jolie arme, donc du coup, on leur en voudra pas trop. Ouais. Pas trop, mais un peu quand même. Le match est déjà terminé, hein. Bravo à Silhouette. 18 minutes. Désolé, Sympathique. j'ai pas suivi beaucoup. J'ai un peu dit des conneries. Embrassez vos femmes en enfant, il est probable que vous ne les revoyez plus. Le modo qui fait l'arbitre qui fait une faute en plus, n'importe quoi. Voilà. Donc je vais relancer le stream, hein. On se revoit tout de suite. Merci.